Salut, alors aujourd'hui on a déniché un modèle historique de chez Yankee Fabrication Française, le modèle Europa Racing. Alors là c'est la boîte, elle est en excellent état, elle est de 1989, hein, ça fait quand même plus de 30 ans, et elle a été conservée dans un parfait état. Voilà, même les angles ils sont pas abîmés. La Europa Racing, c'est un modèle Nitro 4.2. Ici, voilà, différentiel, amortisseur, roulement de roue, tout équipé. Le modèle, en fait, on va lancer une restauration. Il est là, il est dans un état assez vétuste et peu entretenu, mais on va lancer une méga restauration sur ce modèle. Voilà. On va le désosser, le mettre en pièces détachées. Toutes les pièces, on va les faire tremper, les faire revenir, les nettoyer. Et on va reconstruire intégralement ce modèle, le Yankee Europa Racing. Voilà, comme il était monté à l'origine. Alors, on a également un lot de pièces, amortisseurs. Triangle, pièces plastiques, je vois des couronnes, des noix, il y a pas mal de pièces ici. On a un autre carton avec le filtre d'origine, des vieilles pièces, des vieux cerveaux, donc ça servira sûrement, probablement pas dans la restauration. Mais ici, il y a pas mal de choses à récupérer. Voilà, je reviens ici sur la voiture. Voilà, si il nous manque des pièces, évidemment, de transmission, ou de cardan, mais je vois les cardans quand même. On démontera les cellules, on verra tout ça. On ira sur des forums spécialisés vintage pour essayer de récupérer, si on peut, les pièces qu'il manque pour mettre à neuf, en restauration, ce modèle. Voilà. Après, on avait quelques culasses et des pièces moteurs. Donc là, on verra ce qu'on peut faire. Et la radio. Je pense qu'on passera sur une 2.4 parce que là, ça risque d'être très compliqué. Ça, c'est le modèle d'origine qui a été monté, mais c'est du quartz en 41. Je ne sais pas si on a le récepteur. On verra, on ira le chercher, mais si on ne l'a pas, on passera sur une radio plus moderne, probablement pour raison de sécurité. Mais voilà. Donc, on a du travail. Ici, on voit hein, ce châssis amortisseur à plat. Alors, des très très longs amortisseurs à l'arrière, qui ont une fixation ici à l'extrémité du triangle arrière et qui sont très serrés au niveau du point d'ancrage central. C'est très original, mais c'était la conception des modèles des années 85-90, toute la série Yankee. Donc voilà, on va s'amuser à faire cette restauration modèle Europa Racing. Voilà. Donc on se lance dans l'aventure du vintage à restaurer et on vous dit à bientôt.